Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons donc commencé à marcher sur le trek que nous vous faisons découvrir aujourd'hui. Copra Ridge, les balcons des Annapurna et du Dholagiri. Il s'agit là du dernier né des circuits népalais du groupe Alibert qui invite tous les amoureux du trekking pour 10 jours de marche à travers quelques-uns des décors les plus majestueux de la planète. Mais tout de suite, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le parcours plus en détail. Dernier né des circuits du groupe Alibert Trekking en Himalaya, Copra Ridge, c'est un peu la version secrète du célèbre trek des balcons des Annapurna. Et comme à chaque fois, le voyage commence à Katmandou, capitale népalaise. Après un transfert de 7 heures à travers les routes et pistes de l'ouest du pays, c'est à Kimche, petit village perché à 1640 mètres d'altitude, que la marche commence véritablement. Après une première journée facile pour rejoindre Gandrung, compter 3 heures de marche parmi les cultures en terrasse et les jungles de rhododendrons, le point de vue sur le Macha Puchare, montagne sacrée, et sur l'Annapurna Sud et ses 7219 mètres vous accueillera pour la première nuit en lodge. Pour la deuxième journée, 4 heures de marche sont au programme avec 700 mètres de dénivelé positif pour rejoindre le village de Tadapani. Direction le col de Komrong Danda et le sentier balcon qui alterne entre crêtes et forêts imposantes. Pour la première fois du voyage, l'Annapurna 3 et le Ganga Purna font leur entrée en scène. Dès le lendemain, c'en est fini de l'itinéraire principal. Direction le sentier de Muldai Trek, beaucoup moins fréquenté. De là, en à peine 3 heures de marche, le groupe rejoint le lodge de Isharu à 3140 mètres. Vient enfin l'un des quatre panoramas clés du parcours. Aussi impressionnant que le célèbre point de vue de Poon Hill, qui sera également au programme dans quelques jours, Muldai View vous offrira enfin un lever de soleil à couper le souffle sur le Dholagiri, septième plus haut sommet du globe, ainsi que sur la chaîne des Annapurna. Une vue à 360 degrés qui restera longtemps dans les esprits. Puis c'est la redescente sur Dobato, à 3425 mètres. Hors des sentiers battus, le village s'ouvre à peine au tourisme et les lodges y sont gérés par la communauté locale. Pour le cinquième jour de marche, un sentier tracé à flanc de falaise emmène le trekker intrépide sur la route de Bayeli. Plus bas, Gorepani sur sa crête semble bien peu de choses. Mais après quelques lacets, on peut découvrir, si le temps le permet, la fameuse crête de Copra Danda et son lodge perdu destination du lendemain. Mais avant ça, escale à Bayeli pour la nuit. Si la chance est avec vous, c'est en ce sixième jour que vous pouvez rencontrer quelques yaks sur les pentes herbeuses. Avec le Dholagiri toujours en ligne de mire, le sentier s'élève petit à petit jusqu'au point culminant du séjour, le lodge de Copra Ridge, perché à 3660 mètres d'altitude. Le panorama est à couper le souffle et mérite largement les 5-6 heures de marche nécessaires pour atteindre la crête. À quelques encablures de là, l'Annapurna Sud domine tout. En face, les sommets de Fang et Nilgiri tracent l'horizon sous le regard imperturbable du Dholagiri et de sa chaîne éponyme, quelques dizaines de kilomètres plus loin. Après en avoir pris plein les yeux, il est temps de redescendre. En à peine 6 heures de marche, 1700 mètres de dénivelé négatif sont avalés, menant au petit village de Swanta, à ses cultures d'orge en terrasse et à ses habitants au sourire indéfectible. Petit à petit, le décor change. Les sommets enneigés s'estompent peu à peu sous la canopée des rhododendrons géants. La température remonte, la civilisation n'est plus très loin. Dès le lendemain, c'en est fini du petit sentier. Nous rejoignons le sentier classique du balcon des Annapurna. En route pour Gorepani, un village aux multiples lodges et magasins de souvenirs qui seront, pour le trekker fatigué, synonyme de douche chaude. S'ensuit une journée exceptionnelle, ponctuée de deux magnifiques belvédères reliés par une ligne de crête. La journée commence d'ailleurs aux aurores avec une petite montée sur le classique Poon Hill, incontournable point de vue sur les Annapurna et le Dholagiri Himal. Si la plupart des visiteurs rebroussent chemin une fois le soleil levé, le circuit nous emmène sur la crête de Moare Danda. Avec toujours le Dholagiri en ligne de mire, les rhododendrons laissent encore une fois place au sentier abrupt. L'arrivée au lodge communautaire ne vous laissera pas de glace car là encore, le point de vue est imprenable. Au géant de 8000 mètres s'ajoute désormais le Macha Puchare, le Lamjung Himal ou le Tukuche. Enfin, nous arrivons au terme de cette épopée. Après avoir fait le plein de belles images aux premières lueurs du jour, une ligne de crête agréable nous emmène jusqu'au petit col de Ampalpas.
puis direction le village d'Enangui, où des 4x4 viennent clôturer ce périple en ramenant le groupe sur Pokhara. Pour ce dernier jour, comptez 4 heures de marche et au moins 5 heures de piste dans les véhicules tout-terrain. Il faut dire que le Népal représente pour beaucoup la Mecque du trekking, le tour ou le balcon des Annapurna, le camp de base de l'Everest, le Dolpo Mustang, autant de noms qui font rêver. Mais pour mieux se repérer parmi ce panel de destinations, je vous propose un récapitulatif des incontournables du Népal. Alors, les treks incontournables du Népal commencent bien évidemment dans la région de l'Everest, avec le camp de base de l'Everest. L'Everest est la plus haute montagne de la Terre et le seul endroit où on peut le voir, c'est en allant au camp de base de l'Everest. Trekking d'un niveau déjà relativement élevé, hein, puisqu'on est en altitude, on dépasse largement les 5000 mètres, mais c'est là où on voit les plus belles montagnes de la Terre. La deuxième grande région de trek dans le Népal, c'est bien évidemment la région des Annapurna. Depuis la première aux Annapurna en 1950, cette région est la région un peu fétiche des Français. Et donc le tour des Annapurna a été pendant de très longues années et reste encore un must, qui évolue au fil du temps parce qu'il y a des pistes qui se construisent. Donc autour des Annapurna, nous construisons, il reste plein d'itinéraires où il n'y a pas de route. Par exemple, le sanctuaire des Annapurna, qui est un très bel itinéraire aussi, en aller-retour qui mène jusqu'à la face sud des Annapurna. Mais autour du massif des Annapurna, il y a plein d'itinéraires où il n'y a pas encore de route et où il y a encore plein de places à l'imagination et où on peut encore faire de très nombreux trekking. En troisième, alors il y avait la région du Langtang, qui est une région effectivement absolument splendide, un peu moins connue parce qu'il n'y a pas de grandes montagnes, il n'y a pas de 8000 mètres dans cette région, mais par contre une région qui était magnifique, malheureusement, qui a été ravagée par le tremblement de terre du printemps dernier et qui n'est pour le moment pas accessible. Il faudra sans doute 2 ou 3 années avant qu'on puisse régulièrement ramener des trekkers dans cette région-là. Le côté Mustang, c'est effectivement un peu différent. Quand on imagine le Népal, on pense quand même grandes montagnes enneigées, et le Mustang est sur le plateau tibétain. C'est une enclave géographique sur le plateau tibétain et on est dans un paysage totalement différent, plus proche des paysages désertiques du Tibet, avec des couleurs absolument magnifiques et très, très étonnantes, mais on n'est pas dans le Népal, l'image d'Épinal du Népal. Mais pour évoluer parmi les plus hautes montagnes du monde, une organisation est bien sûr nécessaire. Qu'elle s'établisse sur place ou en amont, des guides, des porteurs et des sidars sont dans la plupart des cas incontournables. Aujourd'hui, nous avons voulu nous présenter notre guide, Saïla, qui est comme particularité d'avoir commencé sa carrière comme porteur, puis à grimper les échelons. Depuis 1985, je rencontre son âme Sherpa. J'ai commencé le premier trek avec lui comme l'aide cuisinier. L'aide cuisinier, c'est là dans l'expédition de toujours.
Après Sonam, il faisait comme guide. Moi, j'étais comme chef cuisinier dans l'expédition. J'ai fait 8 ans chef cuisinier avec Tamsirka, avec Sonam. Mais Sonam, il gérait l'agence. Moi, j'étais parti de continuer à faire l'expédition. Mais depuis 1998, j'ai cadré le groupe d'Alibek. Pour monter le poste, il faut transmettre par quelqu'un. Comme j'ai eu au départ, comme Sonam Sherpa, c'est le patron de Tamsirku. J'ai demandé à son âme, est-ce que c'est possible, j'aimerais bien pour cadrer ça, comme être Sada. Le Sada, j'ai fait à peu près 2 ans. J'ai cadré le groupe un peu partout. Et puis comme j'ai rencontré, il y avait une expédition dans la région, dans l'Everest, il y avait un groupe de Français. J'ai descendu au Lukla. Il y avait un groupe qui partait sous la mer à pic. J'étais comme Sarda. Avec ce groupe, on a fait tous les deux mer à pic à 6400 mètres d'altitude. De là, cette client qui m'a proposé, est-ce que ça il a envie pour venir en France quoi. Et puis, j'aimerais bien en vie si tu trouves mon boulot. En 1994, j'étais au camp de base de l'Everest pour l'expédition, on appelle la British Medical Expedition. Il y en avait 75 médecins dans le groupe. J'étais le chef cuisinier dans cette expédition. De là, j'ai eu un email, c'est pas un email, j'ai eu une lettre de mon copain d'Annecy qui m'a envoyé une lettre. Ça, il a dit, OK, à partir de cette année, tu peux venir en France. J'étais tellement content pour aller là-bas. Avant, j'étais un petit peu alpiniste quand j'ai cadré le groupe de Kamsada. Donc, il y avait plus de risques. Et puis ma femme, elle n'a pas voulu continuer. Donc, comme j'ai commencé à parler un petit peu français, j'ai cadré le groupe de Alibert. Je n'ai pas le droit pour aller camper sur le sommet. De juste 5 000, 5 500, 5 400, c'est tout. Moi, j'ai cadré le groupe de Alibert depuis 1998. Ça fait 17 ans. 17 ans, 18 ans, je crois. Et alors, tu penses à l'avenir, tu vas continuer combien de temps? Moi, je pense que j'aimerais bien continuer jusqu'au Japon. Je crois encore 7-8 ans. Voilà, ce JT Montagne spécial Népal, c'est terminé pour aujourd'hui. En ce qui nous concerne, on va continuer d'engranger un peu de dénivelé. Et on se retrouve la semaine prochaine sur les chemins népalais.